Bon les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Là tout de suite, je suis en train de faire un peu de montage, vous connaissez, avec un petit son Drake. Toujours en fond. Ici là, on a nos petites idées de vidéo, tout ça. Je vous montrer un peu le setup frauduleux. Setup frauduleux, hein. Setup grave frauduleux. Bref, en tout cas, nouvelle semaine de vlog. Cette semaine, il y aura beaucoup de prépa, beaucoup de courses, ça a cavale de ouf, beaucoup de gros sparring aussi, et voilà. Bien, ce matin, petit entraînement physique, je vais vous montrer un peu la chance de... Parce que là, en fait, je suis chez moi, en fait, j'ai une sorte de... En fait, j'ai une véranda, du coup, dedans, je m'entraîne. De temps en temps, plus pour faire du physique, après des petits trucs du style bah ça va être un peu la course, de l'elliptique, la course, ouais, du sac. Après j'ai un banc ici que je vais installer là parce que je vais faire toute une séance push, des poids ici, il y en a encore une caisse là dedans et voilà, on va se faire un bon petit entraînement du matin là. Je me suis levé un peu tard aujourd'hui. En ce moment, je me couche pas très très tôt. Je sais que c'est pas bon pour la récup et tout, et je le sens de ouf. Et on va essayer de remédier à ça. Enfin, on va pas essayer, on va remédier à ça. Et voilà, hein. Je vais vous montrer quelques plans de l'entraînement. Bon, du coup, comme je vous ai dit avant, je suis parti sur une séance push. J'ai d'abord fait un circuit de 4 tours avec ces 4 exos, donc développé couché haltère à 5 kg, 25 reps. Ensuite, pareil avec les 7,5 kg. Ensuite, j'ai enchaîné avec l'explosivité à la barre, donc 50 reps. Et pour finir, 25 points. Bon, ensuite, j'ai fait 3 tours sur ces 2 derniers exos, histoire de bien plier les épaules, donc 10 reps de chaque. Et pour finir, j'ai fait un shadow d'environ 1 minute 30. N'hésitez pas à refaire le circuit chez vous et dites-moi si ça vous a fumé les épaules ou pas, parce que moi, après celui-là, ça m'a fumé les épaules. Vous voulez dans la boxe. On grave pas ce qu'il y a autour, en fait. Prépa physique, cardio. Mais tout ça, en fait, c'est nécessaire. Et je sais pertinemment que c'est nécessaire. Nécessaire pour réussir dans ce sport. Donc bon, faut faire ça comme si... Comme si je kiffais de ouf. Comme si je kiffais de ouf le faire. Ça sera plus simple. Là, en tout cas les gars, vraiment... Si vous devez passer par des choses que vous détestez faire pour atteindre vos objectifs, vraiment faites-le. Faites-le, sinon vous allez avoir des regrets. Et le but c'est quoi? Pas avoir de regrets. Zéro regret. Là tout de suite là, ouais. Bon, on va aller clair en balle, non? Ça doit me faire une tête. Ça se voit que genre mon bras il est genre allongé. J'ai pas de trépied hein, les frères, hein. Faudra attendre un petit peu. Un petit jour et ce sera mieux cadré. Un petit jour, t'as déjà commandé ces vidéos, ouais. Ça se trouve ces vidéos là, elles vont être dans le vlog ou ça se trouve elles vont même pas y être. Tu te rappelles ce qu'on disait avant quand on disait ouais ces trucs là, ça se trouve on va grave pas les utiliser mais ça se trouve ça sera réutilisé genre genre pour ton docu Netflix dans 10 ans genre. De ouf, oh là 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 là. C'est trop marrant toi, de ça. Ça se trouve, en fait faut que je le vois comme ça, je le vois comme un docu, genre je fais un docu de ma vie un peu. Enfin un docu, on partage tout. En ce moment une vie de chômeur, hein. Je fais que de la boxe. Hein. Vie de chômeur housewife. Non, je fais le ménage, à manger, entraînement, après montage. Bon ça va, ça charbonne quand même, ça charbonne pour le contenu. Montage et après rebox. Après on rentre, manger, télé. Dodo et rebelote. Réalimentation d'un boxeur. Une petite bouteille au yaourt. La pâte chocolat.
très très important. Vous voyez, 0 g de prot, très important. Après ça, petit repas, ensuite on a enchaîné direct sur le deuxième entraînement. C'était sparring aujourd'hui, je vais vous montrer quelques extraits. Oh, bah la fille, la gare, la bras, elle est rentrée, hein. Je crois qu'elle est tournée avec elle. Peut-être dans une matra, je pense. Hein. Ouais, sûrement. Bientôt, on est samedi, ça va tourner avec un pote pour sa chaîne YouTube. Je vous mettrai quelques extraits. Je vous mettrai le lien de sa chaîne aussi en description pour ceux qui aiment tout ce qui est divertissement et tout. Et voilà. Oh, ça te regarde comme un fou. Waouh! Merci. Hé, hey, gros, c'était un sens interdit. C'est long, Diego. Content, tu sais qu'il est grave content. Il est grave heureux, ce con. Regardez-moi ce con. J'ai trop allez, heureux. Allez, joue les enfants. C'est stylé. La première fois que je suis venu, j'étais choqué, c'est stylé. Maintenant, je me dis que c'est normal. La routine, quoi. La routine. Ton bureau, il est où? Ah, t'as pas de bureau, toi. On a pas de bureau. En vrai, c'est sérieux, hein. C'est sérieux avec Lucky You. Fond vert. Hein? T'as dit quoi? J'ai dit, c'est sérieux avec Lucky You. Ah, toujours! C'est pas parce qu'on se divertit que... Je le connais pas, c'est qui? C'est qui lui? Il s'est senti agressé par la caméra. Mais... c'est encore plus drôle, j'ai l'impression. Et du coup. Il y a marqué improbable. Il y a plein de vidéos. Et du coup, c'est ça que tu veux dire? Ouais, non, mais c'est bon. T'inquiète. Sinon, je te filme. Oh les gars, ça vient de rentrer du tournage là. Avec Lucky You. Et je suis éteint. Là, je vous montre l'heure, là, je sais pas, il doit être, il est 2h, il est 2h02. Je pense que ça fait un bon petit, une bonne petite fin de vidéo, hein, pour finir le premier vlog, le vlog numéro 1. Abonnez-vous, si vous avez aimé, de toute façon, je ferai d'autres épisodes encore. Et voilà, hein, j'espère que vous allez kiffer l'aventure. De toute façon, c'est que le début, il y aura encore plein de vidéos qui vont arriver, plein de trucs cool, et voilà.